Oui, putain, j'ai pas oublié. Hop là. Alors, on va mettre la. On va mettre. Oula! Regardez les petites bouteilles. Hop là. Je voulais cacher, mais c'était pas très bien caché. Bonsoir. Comment allez-vous? Hop. Ah merde. Je vais décaler un peu. Bon. J'espère que je vous ai pas trop manqué pendant ce mois sans internet. Et c'est le soir où je tombe peu à peu malade. C'est super, non? C'est super. Bon, alors, à qui on dit bonjour? On dit bonjour à Crypto, on dit bonjour à Buffy. D'ailleurs, merci Buffy pour ton 26e mois de Prime. Buffy qui a renouvelé ses Prime pendant que j'étais pas là. Pendant ce. C'est plutôt cool, donc merci à toi. Et salut Fetsu. J'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai quelques comment ouais, j'ai une crève qui vient là. On est ça commence à être un peu chiant. Alors, attendez, je voulais peut-être parce que j'ai une truc normalement, une scène qui est prévue pour la construction. Normalement. Donc ça, c'est à peu près tous les packs que j'ai achetés depuis août que j'ai pas eu le temps d'ouvrir. Donc on a un pack flamme obsidienne, le pack les coffrets des sœurs d'élite. On a le coffret des sœurs d'élite 151. On a, alors ça, je l'ai trouvé par hasard. La collection pouce achat de Paldea. Je sais plus, c'est Tempête. C'est un vieux set apparemment. Mais non, Écarlate et Violette, donc ça devrait être. Ça doit être des cartes SVP, donc ouais, donc c'est. J'ai trouvé le classeur Mew 151 aussi. Bim! Et j'ai quelques cartes aussi que j'ai trouvées. La maison de la presse, des règnes de glace. Je dois en avoir 5 de règnes de glace. Et 5 de star étincelante. Donc on a quelques packs à ouvrir ce soir. Bien sûr. Je vais mettre moi aussi à jour ma liste. C'est encore du Epi oublié, Sacha normalement. Sacha. Mais non? Poivreton, Poussacha et Chochodil, c'est du écarlate et violet. Avec Coraidon X derrière. Bon, enfin, on a quelques packs à ouvrir. Hop, je viens de partir pour faire. On va commencer par ouvrir ces packs-là. Et je voulais rajouter au passage le site Pokécard Dex en fond. C'est les coffrets qui sont sortis entre deux blocs. Les boosters sont EB. Épée bouclier. D'accord. Oui, bah, j'avais l'air de voir des commandes et. Je vais le mettre comme ça. Ah, attendez. Comment on peut faire de manière à ce que l'on voit assez. Je suis connecté là? Ouais. Je suis connecté. J'aimerais qu'on voit le Pokécard Dex. Oui, je suis connecté apparemment. Je crois que si je le mets comme ça, je vais le mettre sur le côté là. On va mettre ajouter. Capture d'écran. Non. On va faire capture de fenêtre. Ok. Voilà, très bien.
Je le mets juste au-dessus, ça devrait être bon. Là, on voit bien, hein, que normalement, moi, je vais ouvrir à peu près là, donc... D'ailleurs, la caméra n'est pas la bonne. Mais la flemme. Bon, on va faire comme ça. Là, t'es en 5G ou t'es en fibre? Je suis en fibré. Je suis en fibré ce soir. J'ai récupéré la fibre lundi. Et j'attendais de voir parce que là, ils étaient en train de rebrancher tout le monde. Ça a été assez chiant, en fait. Un mois sans en refibré, exactement. Ça a été assez chiant, en fait, parce que il n'y avait pas... on est... Ah ouais, ouais, ouais. 37 jours. 37 jours sans Internet. Enfin, sans connexion, parce que en fait, on faisait du partage de connexion, mais on était avec Free, et Free, ça passe très mal en Free Mobile, ici. Et moi, j'ai craqué, je suis passé chez Bouygues Télécom en mobile. De toute façon, j'avais prévu de me racheter un portable, donc j'ai fait les calculs, et ça me revient aussi cher, ça me revenait aussi cher de passer chez Bouygues Télécom que de prendre un nouveau portable. Ouais, le dédommagement arrive. J'ai eu un peu plus d'un mois gratuit, du coup. Parce qu'en fait, le problème de comme ça, c'est qu'il continue quand même à te prélever, mais le remboursement, en fait, le dédommagement, il n'intervient qu'après. Donc, c'est casse-couille. J'ai un petit pack de sleeves. Tenez, avant, je voudrais vous montrer juste ça. En fait, j'avais ouvert aussi quelques packs si cet été. Et je voudrais vous... J'aurais voulu... Hop, ça c'est quoi? C'est... Voilà, j'ai ouvert deux sets, je ne sais plus lesquels. Ça doit être des tempêtes argentées, pareil. Mais j'ai eu quelques-uns, donc... Un Archiduc, un Shyamin, Barloche, Electrode de Issui, Vitalité de Flo, un Kamadura... Les codes, ils ont tous déjà été pris, hein, donc... Tentacris, Tadmorph, Recherche Énergie, ça c'est que des cartes que j'avais pas. J'ai un Mesmeralda... hop là, je vais me mettre là. J'ai un Mesmeralda en Full Art, tac. Donc, une étoile dorée. Un Floréclat, un Tauros de Paldea, un Féroce Singe. Oui, c'était le... Ça, c'était ce qu'il y avait dans le pack Kourou Singe de mémoire. Colo Singe. Et il y avait un autre pack. Du coup. Donc, là. Je ne sais plus lequel pack c'était, mais. Il y avait un Arkedong Full Art aussi. Tac, on a eu donc un Aquaquack, la Méga Canne en carte dorée. Ça, c'était cool. Ça a été ma plus grosse prise sur ce pack-là. Mais je ne sais vraiment plus... ça devait être un pack... je sais plus comment il s'appelait, ce pack. C'était un pack de cartes. Ça devait être... J'ai encore le boîtier là-bas. Attendez. Je crois que c'est celui-là, le... Ça doit être le pouvoir en évolution que j'ai eu. Motorizar... Ah oui, c'est vrai que je l'avais chopé, le pack Motorizar. Hop. Ce coffret niveau prix, ah oui, c'était un des plus chers. Il était à 70 balles, je crois. Togekiss, Hermione. Là, faut que je les reclasse dans le classeur, en fait. Donc,
C'est juste un ampi bidou en foulard. Hop. Magnéton, Terra Cruel, Poltegeist, Candine, Malos, Bastiodon, Ponyta. Hop, je suis en train de... Ouais, c'est que des rééditions. Ouais, ce pack-là, même Aline qui s'occupe de la librairie en bas, elle disait c'est ouf le prix. Voltorb de Issui. On a le Magnézone. Gardevoir VMAX. Le Raichu, je vais le faire dans ce sens-là. De toute façon, c'était la fin. C'est juste qu'en fait, là, les cartes collent entre elles. Enfin, voilà. Il y avait... ça, c'est tout ce que j'ai d'inédit, parce que j'en ai quelques-unes en double. J'en ai quelques-unes en double. Hop. Ça, c'est les promos, en truc. Ah ouais. Bon, on va commencer peut-être par... C'est peut-être petit le truc. Est-ce que je pourrais agrandir? Je vais agrandir comme ça. J'espère que ça devrait être... C'est assez gros là? On peut encore agrandir. Voilà, je pense que ça c'est assez gros. Faut que je pense à ce que ça soit là. Alors, nous, on va se mettre sur la collection. Donc là, c'est Star Étincelante. Donc, épée, bouclier. J'en ai combien dans cette collection? J'en ai pas des masses, hein, sur... Parce que moi, j'ai vraiment recommencé à reprendre les cartes à partir de Écarlate et Violette. Écarlate et Violet, plutôt. Hop. Et je crois que ces anciennes-là, il faut trier à l'inverse. Enfin, je sais plus... Je m'en rappelle plus. Très longtemps que j'ai pas ouvert des cartes. Voilà. Hop, je mets les cartes à l'envers. Ok. Donc normalement, elles sont à l'envers. Tac. Et je crois que c'est... J'en mets deux comme ça. Deux, trois. J'en prends 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et je les passe devant. Ok. Ok, bah dans ce cas-là... Et là, il n'y a plus rien à faire. D'accord, donc c'est vraiment... c'est à partir de Écarlate et Violet... où ils ont passé... où ils sont passés vraiment la carte la plus grosse à la fin. Alors, on commence par un Torterra. Alors, Torterra, ça c'est sûr, je l'ai pas. Et bien sûr que je l'ai pas. Je claque les shiny. Ah là, c'est la rare. Merde. J'ai commencé par l'inverse. Il fallait que je retourne. Il fallait que je retourne. Et ben, je l'ai pas. En plus, je l'avais en shiny, tiens. Vas-y, c'est pas grave, c'est la première. On s'en fout. Alors, vas-y. Donc ça, je m'en fous. Je la mets toujours de côté. Donc, on a un Luxio 50. Alors ça, c'est comme ça que moi, je m'y repère. Luxio, c'est une nouvelle. Donc, en fait, toutes mes nouvelles, je les mets sous... je les mets sous blister. On a un Capoeira... 72. C'est une nouvelle. Hop. Le bassin de magma 144. J'aurais dû faire un control find. C'est une nouvelle. Là, en fait, sur ces packs-là, ce qui est... Comme j'ai dit, ça va être beaucoup de cartes que je n'ai pas. Donc, alors, un Deden 67.
Est-ce que je peux zoomer plus? Oui, carrément. Est-ce que là c'est assez gros? Est-ce que là c'est assez gros? Et d'Eden, je l'ai déjà. Un Polarum 42. C'est une nouvelle pour moi. Ouais. Hop. Ah, du coup, je la remets dans l'ordre. Un Lixi. Celui-là. C'est sûr, je ne l'ai pas. La musique du jeu, elle est pas trop forte, ça va? Un Canartichaut. Hop. Ah bah, j'ai déjà dévoilé le set 115. La jaune, c'est une shiny. Enfin, c'est les brillantes. Les reverse. Je dis shiny, c'est parce que, en fait, avec. Avec madame, on dit c'est des shiny. Ça brille. Marrant. Oui, on n'a pas le vocabulaire, on est des profanes. Neuneuf. Neuneuf, on ne l'avait pas. Et en fait, voilà, c'est. Et donc, l'étourmi qui est une reverse. Elle est pas focus dans la cam. Alors, attends, est-ce que je peux la. En fait, elle est très très loin. Et la caméra, malheureusement, je peux pas faire un meilleur focus. Essayer de descendre un maximum. Hop! Je l'ai mis sous blister, je sais même. Oui, normalement, je l'ai pas celle-là. 117. Je ne l'ai pas. Tac! Et donc, normalement, on a. Oula! Le blister, il est HS. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nouvelles cartes sur 10. Ça va. C'est un bon. C'est un bon début, je trouve. Un pack 9 nouvelles cartes. On est bien. Alors, le suivant. Bon, bien sûr, c'est pas. Alors, donc, on a dit 1, 2, 3, 4, tac, je retourne. Ah, mais c'était ça, putain. Je m'en rappelle, comment je les avais triés. Hop. Voilà. Donc, un Tropius 5. Je crois que je l'avais eu celui-là. Tropius, je l'ai souvent. Un Kaorin.
Numéro 59. C'est une nouvelle. Au début, ça... Au début, c'est cool d'avoir des nouvelles et après, ça dure pas. Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord. Hop. Un pack d'eau fraîche. 139. Ah bah, je l'avais déjà. Non. Hop. Je vais la mettre comme ça. Mustéboué 038. Regarde, hop là, ça va être un pack où j'ai beaucoup. Le Greek Note, je crois que je l'ai aussi. 107. Tu vois, regarde, je l'ai là. Hop. Ensuite, un crack noir. Numéro 74. C'est bon, c'est une nouvelle. Un Morpheo. Alors ça, je crois que je l'ai. 116. Ah non. Un judo crack 80. Là, il me disait rien, donc. Un libégon. En fait, je devrais mettre les trucs au fur et à mesure. Et mettre les trucs à la fin. Donc, un libégon qui est un 76, c'est ça? 76, celui-là, c'est un... Et attention, c'est une carte or. Un électeur de Galar. Merci, merci. Eh ben, là, on peut dire qu'on a eu une belle carte, hein. Ah, c'est chiant, elle fait pas le focus. Là, on a bien démarré. On a bien démarré. Tadam. Alors, hop. Là. 1, 2, 3, 4. Tac. Donc, un Mustéflotte. 39. C'est une nouvelle. Ceinture choix 135. C'est une nouvelle. Un vibranif. Vibraninf. 75. Je crois que je n'ai plus de musique. Hop là. Hop. C'est une nouvelle. Un Seribou. Il y a des Pokémon, je m'en rappelle tellement plus. Surtout que c'est une génération... comment... Épée bouclier. Même si je l'ai fait, je l'ai pas trouvé ouf. Je crois que je me souviens vraiment des premiers Caraclés, ça c'est sûr, je le connais. Mais d'ailleurs, l'autre, Judo Crack aussi, je crois que je m'en rappelle, il est... Alors, un Gringolem. C'est marrant là, elle s'enchaîne. Écrapince, je crois que je l'ai celui-là. 32. Ah non, c'était peut-être dans une autre collection. Un Oeko. 63. On m'entend bien.
Hop là. Bah, je crois qu'on est sur un. Sur un full set, full. Un paquet full inédit. 94. En plus, celle-là, c'est une reverse. Hop. Et un champignon. 04. C'est la rare celle-là, putain, elle me paraît pas si rare que ça. Donc là, on est sur un paquet. Que du nouveau. Ça, c'est cool. Alors. On va les mettre sous blister. Hop. Quand je dis sous blister, c'est sous. Sous plastoc. Moi, je peux plus avoir de nouveau pour l'instant dans mes boosters. Pourquoi? T'as déjà tout? T'as toute la collecte, c'est ça? Par contre, j'ai pas réussi à trouver de booster 151. En tout cas, ma libraire, elle en avait pas. Elle me disait que c'était très rare. Apparemment, Asmodée, ils sont très chiants sur cette collection. Elle savait même pas si elle allait avoir les packs 151, pour te dire. Trop pour avoir que du nouveau, 151, c'est une demi-série. Donc que des coffrets. T'auras pas de booster en loose. Le display n'existe pas. D'accord. Parce que j'ai vu un. Alors, j'étais pas sûr, mais sur Amazon, j'ai vu un truc genre un pack de 6 boosters vendus. Je me suis dit, c'est bizarre. C'est des bundles. D'accord, donc c'est. C'est du vrai de vrai, quoi. Ta-da-da. Ça laisse tomber, c'est hors de prix maintenant. Bah ouais, j'ai vu ça. Bah 36, 6 fois 6, 36, ça va? Là, ça se vend minimum 70 à. Ah ouais. Mais c'est devenu n'importe quoi hein, les prix des cartes Pokémon. C'est. Alors, un Colomar. Ça, c'est sûr, j'ai pas. Elle était une Hyper Ball, ça je pense que j'ai. Ça m'est pas inconnu. Un Vibranif, ça on l'a eu tout à l'heure, mais je crois qu'on l'a eu en reverse. Non, non, c'est une. C'est un double. Ouais, même là, je sais même pas. 151, ça a été fait exprès par Pokémon, ils savaient que ça allait super bien marcher. Mais ils ont pas produit des masses volontairement. Ah ouais. 84, Stade Morve. C'est une nouvelle. Meloufée. 53. C'est une nouvelle. Quenotor, 120. Ça, je l'ai pas. Ah si je l'ai, un fou. Je sais même plus moi-même. Electek 46. L'ai déjà. Oups. Le Brutalibré 127. Je l'ai déjà. 133, le Barista. En reverse. C'est une nouvelle. Et enfin, la carte rare. Un Hydragon V. 114. Tac. C'est une.
Les cartes V et VMAX, elles sont quelles Là, c'est une étoile dorée sur cette collection. Les étoiles dorées, c'était vraiment rare à l'époque. Après, ça reste du en collection, donc je suppose que c'est pas non plus. Une carte numérotée normale, c'est pas une carte cachée, donc ça reste quand même. C'est une carte rare, mais pas des masses, quoi. Faut vraiment qu'on soit sur une carte cachée, quoi. Plus rare que holo. D'accord. Oui, parce qu'une holo, il y a quand même. T'en as au moins une ou deux par paquet, quoi. Mais pas rareté de ouf, ouais. Holo, c'est le Torterra de tout à l'heure, d'accord. Allez, dernière du parc Star Étincelante. Et j'ai une carte qui... Oh, j'ai une carte qui est mal... C'est moi qui ai foutu un coup d'ongle dedans ou quoi? Oh, ça va, c'est la carte... C'est la carte comment... Pokémon Live. Hop, 1, 2, 3, 4... J'ai bien compté. Tac. Un étourvol. On l'a eu tout à l'heure, non? Non, c'est étourmi qu'on a eu tout à l'heure. C'est une nouvelle. Un chimpanfeu. 35. Ça, c'est sûr, je l'ai pas. Enfin, il me semble que je l'ai pas. Gloria. Une dresseur. 141. Une Wistikra. C'est pas Wistikra, ça c'est sûr. Après, tu peux avoir une full art, une alternative très rare, une gold et une rainbow. Les rainbows, j'en ai pas. Hein. Les gold, c'est sûr. Oui. Un chinchidou. C'est marrant ce nom-là. 124. Ouais, j'ai vu, j'en ai une ou deux des TG. Un Balbuto. Celui-là, il me dit quelque chose. Ah bah non. Pourtant, je pense que c'était son évolution qui m'a trompé. Un Stalgamin. Et pour l'instant, on a un bon tirage. Hein. On n'a pas de double sur celle-là. Un Tarinor, 73. Hop. Un Grignot en reverse. 107. 107. Tac. Et enfin... Un Dracarmin. Elle a pas ouf, un niveau de rareté. C'est une étoile, mais... Voilà, c'est une carte rare, rare sans plus. Quoi. Donc là, sur ce set-là de... C'était quoi Arrête Insolente. On a eu quand même une gold qui est pas mal. Hop. Mais on a eu pas mal de petites nouvelles cartes. Ah.
Star étincelante, la grosse carte, c'est Drake alternatif. C'est la numéro combien? Ta-ta-ta-ta-ta. 154 sur 72. On peut voir la 154. Ah oui, le drac au feu. Elle est jolie. Hein. Elle est très jolie. Ceci dit, la VMAX aussi est assez jolie. Hein. La V, pardon, c'est pas une VMAX. Ah oui, c'est ça, les Rainbow. D'accord. Marrant qu'il... Ah, et celles-là, elles sont pas... Oh, celle-là, non? C'est quoi? J'ai même pas coché mon Elector Gold. C'est vrai. J'étais tellement... Voilà, c'est réparé. Et de toute façon, je vais revérifier la collecte. Hein. C'est les TG Goldback. D'accord. Après, moi, c'est pas la rareté qui m'importe. C'est surtout le fait d'avoir de nouvelles cartes. Moi, j'aime bien quand j'ai des nouvelles cartes. Après, ça fait plaisir hein, aussi d'avoir... D'avoir du neuf, hein, d'avoir du rare, je veux dire. Allez, on passe sur le règne de glace. Règne de glace. Hop, j'en ai que 3 sur cette collection. Lesquels? À mon avis, ça devait être dans un gros pack où je dois l'avoir 15 fois. Et vous savez, les packs starter là, ouais, c'est ça. Où t'as deux paquets de cartes et t'as 15 000 fois la même carte. Attends, Rash? Ouais. Viens voir. De pack? Attends, parce qu'il y a une négociation sur un pack à ouvrir. Un paquet? Bah, choisis bien. Je sais pas. Donc celui-là, je l'ai déjà ouvert. Les règnes de glace. Ah, elle s'en est gardée un pour elle. Parce que d'habitude, en fait, on les ouvre ensemble. Mais là, ces derniers temps, on n'a pas eu trop le temps. Et je m'étais dit, tiens, vas-y, on ouvre ça en live. Ce sera très rare, hein, les ouvertures de paquets. Alors, tac.
1, 2, 3, 4. C'est 4 hein, sur celle-là. Hein. Aussi. Ouch. Elle t'a pris le 0 en AV alternatif. Soleil et lune n'est plus bouclier, c'est 4, d'accord. Alors, un rouleau persan, point final. 154. Tac, c'est une nouvelle. Saturnin. Un dresseur. C'est une nouvelle. Un chapotus. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que. Hein, elle est très. Elle connaît pas trop Pokémon, donc à chaque fois, elle regarde les noms, elle se marre. Ceci dit, moi, je fais un peu la même chose. C'est une nouvelle. Ramolos de Galar. Je suis un peu la même. Comme je disais tout à l'heure, les dernières générations, je les ai pas ouvertes. Et je les connais pas des masses, et ça me fait marrer aussi. Smogo. Alors, il connaît les Smogo. 94, c'est une nouvelle. Mais là, de toute façon, ça va être quasiment que des nouvelles, puisque j'ai eu que 3 cartes sur ce pack. Stalgamin. C'est marrant, on l'a eu déjà tout à l'heure dans l'autre collection. Iriri, 131, Bastien. En reverse. Et enfin, un Porygon Z holo. Ça rend bien la cam là. Donc là, sur Règne de Glace, on est sûr d'avoir beaucoup de cartes nouvelles. Ensuite, donc on aura que 4 paquets hein, de règne de glace ce soir du coup. Et je me suis spoilé une carte. Hop, 1, 2, 3, 4. Donc, on a Adriane. Adrian 139. Crabominable. Il est marrant ce nom. J'ai cru que j'allais faire Rocky. Adrian. J'ai pas pensé sur le coup.
Un rouleau perçant qu'on a déjà, ça c'est sûr. On vérifie, hein, mais... normalement, on l'a. 154. Un tarsal. Un Morpheo forme eau de pluie. Un Blizzy. C'est marrant parce que Blizzy, c'est un Pokémon glace, non? Et ils le mettent toujours dans le... Tout à fait, de Galar. 82. Et on l'a déjà. Hop. Des fois, il est en eau. Ah ouais. Smogo, on l'a déjà. Voilà. Un Badaboin Reverse 17. Si on l'a pas. Et un Articodin V de Galar. Ah, regardez, regardez, c'est satisfaisant. 170. Clac. Jolie celle-là. Hein. C'est une étoile dorée. Elle est, elle, c'est une numérotée, hein, donc c'est pas une cachée. J'aime bien quand ça brille un peu. Surtout quand ça fait des effets comme ça, la caméra. C'est une alternative? Eh bah, GG moi, alors. Merci. Merci, merci. Attends, sinon, est-ce que... On a eu combien? 3 doubles, je crois, sur celle-là. Mais on a eu une alternative. Ah ouais? Waouh! On va en prendre soin. Tu regardes la côte sur quoi? Sur ça, non? Elle est à combien? Ah, il... Card Market. Moi, j'ai un... Je suis sur un autre site. C'est... Price Charting. Après, c'est les prix américains. C'est les prix américains, mais... Si on regarde, c'est laquelle... Combien? 170. Carte Pokémon. Le prix américain, c'est du pipi de chat. Ah ouais. Putain, comment il s'appelle, Règne de Glace? Articuno. Ouais, attends, peut-être que si... à combien? 170.
Ah oui, c'est pas tout à fait le même prix, hein. On a une trentaine d'euros ici quand même, hein. Lui, il la tra... En non gradé, il la met à 30 balles, hein. Ouais, quand tu dis... Ah, dans les prix en euros, hein, quand même. C'est en gradé après. Ça va. Alors, 1, 2, 3, 4. Il est mis où là? La carte énergie, attends. Hop là. Luna. 146. Ça, je l'ai pas, ça c'est sûr. Hop. Uniforme de survie. C'est une nouvelle. Ajouter. Ah, merci. Chapeautus. 72. C'est une en double. Un polichon, moi. C'est une nouvelle. Un rond gourmand. 127. Ça, c'est sûr, je l'ai pas. Au Bali. 37. On l'a pas eu? Non, on l'a pas eu. Un sucroquin. 67. J'essaye de mettre un bon angle. Hein. Tout à fait de galère, on l'a déjà. Hein. Ça, c'est... Un chifourse reverse. Et le numéro 44. Et c'est une étoile, hein. Donc là, elle est rare ou pas celle-là? Parce que c'est une. C'est une étoile. Ouais, après, c'est une étoile blanche. Et attention. Oh, oui, c'est une Holo Reverse, on est d'accord. Et bah, voilà. Les deux. Les deux dans le même paquet. Les deux dans le même paquet. Étoile blanche égale holo, étoile simple noire, simple rare. D'accord. Et bah, j'ai eu la même carte en reverse. Je crois que je peux me sentir chanceux alors, du coup. Ça va, on est assez bien. Non, c'est pas. Oulou, c'est pas non plus la fouille. D'accord, zut, merci de me casser mon délire. La folie, c'est ton articode.
Allez, le dernier de ce set. Outa Gold, donc bien chanceux. Et encore, Rach, elle en a pris une. Ça se trouve, il y en a encore une rare. Attends. Non, moi, ce que je lui propose... Ah, merde. Putain. Je coupe la cave et tu viens de l'ouvrir. Y a un tri. Vas-y, je coupe la cam. Attends. Vas-y, c'est coupé. Vas-y, on va voir. Jusqu'à ce que t'aies une rare. Faut que je fasse comme toi. Ouais. Alors tu viens. Vas-y, viens, viens. Ah ouais, la carte elle est là. La cam est là. Comme ça. Voilà. Ça je l'enlève. Ouais. Après. Donc là, t'en prends 4. Ok. Tu les mets en dessous. Ok. Voilà, et là, tu retournes. Moi, je la mets où? Non, non. Hop. Tu retournes tout le paquet. Ah! Ah, je commence par l'énergie. Ouais, 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 c'est ça. Hein? Non, bah, attends. Donc là, elle a eu une carte. Ah, il faut que je le fasse. Ouais. Attends, c'est où toi? C'est là, c'est à peu près là. Donc là, on a eu un Fogler. Combien? Le numéro? Ouais. 30. 38. Ça met où après? Ouais. C'est. Vas-y, c'est. Vas-y, ok. C'est un Sephora, c'est comme le magasin. Hein? En fait, l'idée, c'est que tu l'as fait comme ça et tu les fais glisser comme ça, d'accord? Ah bah oui. Tu veux prendre la chaise? Non, non, c'est bon. La langue, je comprends. Donc c'est pas. Le combien? 145. Sephora, je peux pas m'approcher de ce magasin sans choper la migraine. J'attends que t'aies fait ça. Vas-y, c'est bon. Donc c'est une nouvelle, vas-y. Un Spectrum, ça, celui-là, tu le connais, Spectrum. Quoi? Ouais. C'est le combien? C'est le... 0,56. 0,56. Celui-là, je l'ai pas. Vas-y. Elle a fait un chouin chouin chouin. 101. Et vous l'entendez pas en fait, parce que le micro il est unidirectionnel donc ils t'entendent pas. C'est bon? Ouais. Même moi ça doit sauter là à peu près. Mmh. Un ramolos de galère. Celui-là, on l'a, celui-là c'est sûr on l'a. Bon, je continue. Ouais, tu le mets là. Là où? Là? Hop, vas-y, mets-le là. Ouais. Il y en a un qui s'appelle tout à fait. Ah, on l'entend, on entend un peu aussi. Là ou là. Un aspico. Une forme que je connais pas d'aspico, celui-là. Ah non, c'est le. Pas grave. On dirait une. Elle dit, on dirait une youtubeuse beauté. Ouais. Un quoi? Un poule paf. 91. C'est une nouvelle, d'accord. Ensuite. Un what what. Combien? 47. 47. Ouais, il est là. Tu veux le prendre après ou pas? Vas-y. Donc ça, c'est une river solo. Merde. Garde voir, tu peux baisser la carte, regarde. Hop. Après. Et encore, attends. Donc là, c'est 61. Oui. Ok. Et là, ça va être la rare. Mais non, ça se trouve, il n'y a rien. Vas-y, vas-y, vas-y. Il n'y a rien. Un mangriffe. C'est pas rare. Mais ça y est. Je suis frustrée. Tu veux ouvrir un deuxième? Non. Tu l'avais celle-là? Non. Celle-là? Non. Ah. Celle-là combien? 120. 120. Elle est deg.
Elle ouvre le deuxième. Attends, avant d'ouvrir, je vais les blister. Je veux la chaise. Oui. Bah attends, je vais te filer la chaise. Pas la cam. Ah, y a pas la cam. Ah, par contre, t'as le micro. Oui. Je vais prendre le contrôle. On va changer. Est-ce que vous voulez voir du contenu beauté ou pas? Parce que. Oh, pas que quand même! Attends, tu m'as dit 1, 2, 3, 4. 4 en dessous. Et comme ça. Comme ça, je commence par énergie. Exactement. J'ai pas le droit de regarder avant? C'est ça, t'as pas le droit de regarder avant. Parce qu'en fait, ce qu'elle aime bien, c'est regarder tout le paquet d'abord pour voir s'il y a un truc rare. Ah oui? Et si tu veux te spoiler, tu peux regarder la dernière carte. Non. Ouais. T'as proposé ? Non. Ah, arrête. Ouais, mais c'est monétisé, ça me démonétise. Ça, 1, 2, 3, ça me démonétise après. Ça, c'est libre de droit? Non, c'est le même. D'accord. Non, pour info, en fait, il m'a dit que. Voilà. Crypto, il m'a dit que celle-là, c'est la plus rare de ce que j'ai eu. Ça, tu l'as eu aujourd'hui? Ouais. Ah, je suis vénère. On y va? À... Règne de glace, de toute façon, ça peut être que de. Ça peut être que la dernière, pas de TG. TG, c'est la. C'est un numéro. Même pas compris, ça veut pas dire ta gueule. mais comment t'arrives à. Là, en fait, le centre, il est là. Là, comme ça, c'est bien? Ouais. Donc là, vas-y, tu mets l'énergie. Attends, tu m'as dit. Donc là, on est sur une boule de cristal. 140. Je suis désolé, ça doit couper hein, sur le... Hop. Un badabouin. 0, combien? 17. 7. Je crois qu'on l'a. Eh ben, on l'a pas. Hop là. Un Dylan. 150. C'est Dylan? Oui, c'est Dylan, oui. C'est Dylan? Dylan? Merci. Ah oui, j'y étais pas du tout. Je prononce comment? Bouchours? Bouchours. 93. 93. Ok. Tu me dis comment on va arriver c'est vers... C'est top. On va arriver vers la rare. 69. Et maintenant, Cristaline. J'arrête pas de lui dire cette blague. Alors, elle m'a fait, tu me passes la Cristaline? Je vais passer en criant Staline. Bah oui. C'est bon? Celle-là, c'est sûr, je l'ai. Donc je passe à... Ouais, tu passes. Vas-y, donne-la moi. Bambino. Ouais. Mignon. 26. Hop. Donc là, on devrait arriver sur la... reverse. Non, c'est la suivante, du coup. Ah. Polichombre. Oh, mais c'est écrit vachement petit, quand non, même. Mais non, mais Polichombre, je crois qu'on l'a eu. 62. Ouais. Donc, je te... Alors, attends, là, style, faut que je fasse un effet? Non. Donc, Coxie. Bah, c'est nul. Bah, c'est celle qui chante Garcon. Exactement. 4. Et c'est Vipère. Non, elle est pas ouf. Oh, je suis déçu. Combien? Je sais pas, j'ai pas regardé. Sans de... Elle est déçue. Je suis très déçu. 102. Voilà.
Je vais voir l'info. Je suis déçu. Ah bon, apparemment il faut que je lui en garde encore. Faut que je lui en garde. Je suis très désappointé, exactement. Et comment qu'il s'appelait ce personnage? Je m'en rappelle plus. Dans le cinquième élément. Bon, vous savez quoi? Moi, je vais lui proposer... Je vais lui proposer que je lui garde le pack Poussachat. Voilà, elle a dit oui de loin. Donc on n'ouvrira pas le pack Poussachat ce soir. Hop. Attendez, je vais lui donner le pack Poussachat. Elle voulait les ouvrir tout de suite. Alors. Du coup, moi, je vous propose qu'on ouvre le pack Flamme Obsidienne. Le pack Dresseur d'élite. Hop. J'aime bien garder ces boîtes-là, elles sont très jolies. Donc comme d'hab, on a les sleeves, on a la carte. Ça c'est quoi? C'est quoi déjà cela? C'est les cartes, c'est les packs, c'est des packs de cartes. C'est des packs de cartes énergie. Les ouf parce que regardez, hop, je suis pas organisé. Je les ouf parce que en fait je les retris derrière. Hop, c'est ça. Attendez que je me souvienne de l'ordre. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas de pack de cartes énergie normale. Voilà, comme ça, je vais ranger direct dans la boîte.
D'ailleurs, bon, on va ouvrir la carte du paquet, hein, celle qui est là. Ça, celle-là, on sait que c'est toujours la même, hein, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a? Le salamèche. Le salamèche, donc, c'est celui-là. Je vais l'ouvrir, hein. Je m'en fous qu'elle soit blistée ou pas. Oh! Oh! Le blister, il m'a feinté! Du coup, ça a plié légèrement la carte. Donc celle-là, elle est très jolie, hein. Hop, hop. J'aime bien cette petite carte promo. Donc là, on va aller dans... Donc... hop. C'est la carte... C'est dans promo, je crois, de mémoire. Promo et carte violette. Et donc, c'est la numéro 44. Voilà. Ah, c'est vrai que dans chaque truc, il y a leur sleeve. Ils ont leur sleeve spécifique. Alors, le pack flamme obsidienne. Alors ça, des flammes obsidiennes, j'en ai quelques-unes. On avait déjà ouvert quelques-unes, donc j'en ai déjà une cinquantaine. Et celle-là, normalement, je peux prendre direct, je crois, de mémoire. Et re... Alors, Barloche, 108. C'est une nouvelle. Hop, Topico, ça je crois que je l'ai déjà. 58. Ah non. Rond gourmand. 178. Ça je crois que... je vais le dire, ça je crois que je l'ai déjà. Eh ben non. Batrachné. 51. Comme le pastis. Infect, 106. Oh putain, on est sur un full nouveau là. 84 togetic. Kyrax, 41. Un Pyronil 40 en reverse. Un Loclass en reverse aussi. Et enfin, Alisma. Alors celle-là, c'est une holo. Hop, 188. Hop, et l'énergie de base. Hop,
En tout cas, sur les précédents tirages, on en a eu... Là, pour l'instant, on en a pour notre prix, hein. Et j'avais une question, Crypto. Le coffret pousse achat, il y en a eu des autres avec... avec Chochodil et... comment il s'appelle, celui de l'eau Coiffeton. Il y a les trois. Putain, j'en suis tombé que sur un. Et je suis tombé vraiment par hasard dessus, hein. C'est... Alors, le pack suivant. Le booster suivant. Alors, Vrombi. Vrombi 154. Une nouvelle. Ambrilex 105. Ça. Ah non, je l'ai pas. Il y en a plein, je suis persuadé que je les ai. Melo, ça c'est sûr, je l'ai pas. Hop, Sepia Top 137. Un Tarinorm. 46. Je l'ai déjà. Le point vengeance 197, c'est la dernière de la série. Ah, je l'avais en reverse. Hermure 142. Je l'ai déjà. Un super dauphin. C'est marrant celui-là. En reverse. 62. C'est une nouvelle. Un T-Froid. Oh. Attends. Je crois que je me suis déjà spoilé. Sur ce que j'ai ensuite. 97. Non, c'est pas celui-là. Supprimer. Voilà. En reverse. Et attendez, attendez, je regarde. Ah non, 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 c'était un effet d'optique. Je croyais. Je croyais. Un Fulguris. En fait, c'est l'éclairage qui m'a fait chier. je l'ai déjà en plus. Le drame des EV, les holoborg. Ah ouais? C'est pas si rare que ça, du coup. Mais en fait, ça, en fait selon la lumière, ça rendait doré. Hop, je prends un nouveau pack de sleeves. Ah.
Bon, ça va, on n'a pas trop de... On n'a pas trop de pertes. Mais déjà, rien que sur ces... toutes ces ouvertures-là, on a... j'ai déjà dépassé tout ce que j'ai ouvert sur le mois d'août, hein, en termes de nouveautés. Hop, donc on commence par un chamallow. Qui est une inédite pour moi. Un tout tombe. Ça, qu'est-ce que je suis tombé dessus sur la collection Écarlate Violette. Donc la précédente, un anchouette. Je le connaissais pas celui-là. 67. Eh mais je l'avais déjà. Un brocélome. C'est un nouveau. Un joli flore. 3. Hop. Un frison. On dirait l'évolution de Tauros, c'est marrant. Je l'avais déjà, hop. Crabominable. Je l'ai déjà. Un Lampériol Reverse. 68. Elle est totalement inédite pour moi. Charpedo 47 Reverse. Hop. Et un super dolphin. Super dolphin que j'ai déjà normalement. 62. Ouais. Hop. Bon, celui-là, un peu déçu. Oh, quoique, j'ai que 5. C'est combien? C'est 10 par pack? Ouais, ça fait une moitié. Je suis désolé, je renifle. C'est un peu dégueulasse. Allez, on commence par Mustéboué. Mustéboué qui est la 48. Olivini, la 19. C'est une nouvelle. Vrombi, 155. Je suis sûr qu'on l'a, eu, hein, je crois. On l'a eu. Non, c'était l'autre Vrombi. Un Tritox, 139. C'est une nouvelle. Un Malamandre, 140. C'est une nouvelle. Un Lugarok, 117. C'est une nouvelle, je pense. Oui, c'est une nouvelle. Un Tarinorm. Est-ce que j'ai besoin de vérifier que je l'ai déjà? Non. Mais je l'ai été quand même vérifié. Funessir en reverse. 36. Et du coup, sur ces packs-là,
Les rivers, t'en as deux maintenant. Un Archéomir, 144. Hop. Et enfin, un bec à glaçon. Une 2 étoiles. 210. Allez, bim, c'est pour Bibi. Elle est plus rare. Mais ça fait zizir. C'est marrant parce que bec à glaçon et c'est une... C'est une feu. Je vais la rapprocher. Donc là, on a eu une nouvelle cachée. C'est la mécanique de Terra Crystal. Ça change le type. D'accord. Dracofeu est de type ténèbres sur cette série. Mais il n'avait pas... sur une de ses méga évolutions, il changeait de type aussi. Genre le Dracofeu Y. Ou X, je sais plus. Il restait vol, d'accord. Ah oui, là, c'est feu et ténèbres, du coup. Y restait feu vol, X passait dragon feu, c'est ça. Marrant parce que Dracofeu, c'est quand même l'un des rares qui n'était pas dragon. Et pourtant, il est beaucoup considéré comme un dragon. Hop là! Allez, un Goupix. Là, je pense que je ne l'ai pas. Effectivement, je ne l'ai pas. Un Grenousse. Je ne l'ai pas. Ça, c'est cool. Un Daruma. Un Darumaron. 34. Je l'ai pas. Hop là. Faut que je fasse gaffe. Un Mustébo est bon. Là, vérifier. Mais normalement, on l'a. Hein. Ouais. Un Scalperer. 150. J'en étais sûr que je l'avais, mais... Fragroin. 184. Je l'ai déjà. La lettre d'encouragement, 189. Je voulais... Putain, je l'ai déjà. Un Aragdo. Reverse. C'est simple, Gen 1, il n'y a qu'un dragon. Oui, une série, du coup. C'est une nouvelle. Golet, la 10. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ? Alisma, 189. Et je crois qu'on l'a eu tout à l'heure. 189. Ouais, on l'a eu tout à l'heure. Diriri. Tu vois, c'est déjà le fait d'avoir eu des packs... Des packs classiques... Hop.
des boosters classiques sur celle-là, tu vois. Genre, il y a un peu plus de doubles maintenant. Mais c'est pas grave, sur la 151, on va en avoir des... On va en avoir des inédites. Hop, allez. Un Umbrilex. C'est pas... Je l'avais déjà. Hop. Ça commence à se casser la gueule par là. Un Lampérois. 68, c'est une nouvelle. Magnéti. 63, c'est une nouvelle. Un Evoli. 166, c'est une nouvelle. Linéon, 168. C'est un double. Hermure, je crois qu'on l'a déjà. C'est ça. Trio Pico, ça m'étonnerait pas qu'on l'ait déjà. 59. Un Terracool Reverse 118. Ça, c'est pareil, j'ai pas trop compris. Pourquoi en fait ils l'ont pas appelé Terra Tentacool de comment il l'appelle ? Aldea. C'est une nouvelle. Officiellement, c'est pas du tout la même espèce. Ouais, 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 ouais. 167. Oui, mais du coup, en fait, t'en as plein qui se ressemblent, du coup. Terracool. C'est pareil pour les... Triopico. Elles se ressemblent plus ou moins sur certaines formes. Mais là, regarde, le Terracool, il se ressemble hein, quand même avec Tentacool. ...167, le Zigzaton. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ? Un Drakkai. Pas ouf. 136. En fait, je trouve qu'avec les formes et avec les formes et les comment et ces trucs dérivés, du coup, enfin c'est bizarre. Je trouve ça bizarre. C'est pas comme les formes de Garra et d'Alola qui sont des évolutions différentes de la région. Dans le lore, ils ont vraiment rien à voir. Ah ouais? C'est expliqué du coup en jeu. Comme j'ai dit, hein, j'ai pas joué à la dernière version. La dernière version que j'ai joué, c'était Épée Bouclier, et encore parce que j'ai même pas fait Soleil Lune et j'avais pas fini un Pokémon depuis. C'était quelle version? La quatrième, Diamant Perle. En fait, j'avais absolument voulu faire Platine. Un croquine.
Ah, les médocs, ils sont en train de me défoncer. Je suis KO. De nombreux chercheurs ont initialement pensé que Tropico était une forme régionale de Paldea et de Tropica. À cause de leur ressemblance physique très marquée, il fut cependant prouvé qu'il s'agit en réalité de deux espèces totalement différentes et que la similitude physique n'est qu'une coïncidence. Ouais. Bref. Le magnéti, on l'a déjà. 63, je crois. Ouais. Pyronil. C'est une nouvelle. Le brindibou. Ah, l'illustration du brindibou, elle est cool. Je l'ai déjà. Lugulabre. C'est une nouvelle. On regarde les kryptoniens contre les humains. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, les kryptoniens, c'est encore différent. Enfin, tu sais, c'est nous, sur tous nos trucs, on a mis à tous les extraterrestres sont de forme humanoïde, quoi. C'est n'importe quoi. Le siège de la Ligue Pokémon 192, c'est juste à côté, tiens, c'est cool. Ortiga en reverse. 190. Hop. Un Melo Full Art. 202, c'est une cachée celle-là. 202. C'est les Full Art ou c'est les alternatives celle-là? Comment on dit? Une étoile. Et un grain grigou ex 179, 2 étoiles. Et moi, je suis satisfait de ce tirage. Et Crypto, il va arriver, il va dire non. Si, si, très sympa, Melo. Ah, elle est cool, hein? Elle est très cool. Elle est très très cool. On rappelle que la musique, c'est la musique de Pokémon Trading Card Game, le jeu qui était sorti sur Game Boy Color, de mémoire. Il n'était pas sorti sur Game Boy. Et il résume assez bien le jeu Pokémon, le jeu de cartes Pokémon. Ah putain, et des fois je me fais des parties sur le Trading Card Game Live là. Hop. D'ailleurs, il est dispo sur l'émulateur Game Boy de la Switch. Il est sorti il y a quoi, 2 mois? 1 mois et demi? Ut. Alors, Olivado. Ulutu. Le 20, on l'a déjà. Hop. Tritonde 50. C'est une nouvelle. Aragdo, je crois que c'est une nouvelle celle-là. Parce que on avait eu la forme reverse. Chamallow, c'est pas une nouvelle par contre. Je commence à avoir trouble. Attends, j'ai pas le numéro 31. Chercher dans la colonne d'à côté.
être abominable. Bon, là, on l'a eu tout à l'heure. Point 15. Ah, il faut que je les mette comme ça, à plat. Le scalpereur, c'est sûr. Fragroin, on l'a eu tout à l'heure aussi. Hop. Archéodong, reverse. 145, il est pas très loin. C'est une nouvelle. Ouh, pas énormément de cartes inédites. Poppy, le supporter, 193. En fait, je peux me dire que je suis chanceux en général parce que les rares, elles sont pas en dernière. Une Melodelph X 182. Double étoile. Petit tirage sur ce pack là. Et enfin, le dernier de pack obsidienne, de flamme obsidienne, je veux dire. Quand je pense qu'il y en a, ils achètent carrément les. Et coucou Guiche, comment tu vas? Merci pour le réabonnement 31 mois. Mais Guiche, il a loupé le mois dernier. Comment il va? Ah bon, t'as quoi contre les gens qui prennent des displays? C'est cher. Très cher. J'avais qu'à live, c'est vrai. Pauvre de moi, je n'ai pas live pendant... Pendant 30... Plus de 30 jours. Je me suis fait oublier, injustement. Ça va, je suis défoncé par les médocs, mais... Qu'est-ce que j'ai? C'est compliqué. Le bon plan, c'est pas de s'abonner, pas de réflexion. C'est vrai. C'est vrai. Allez. Un tropico. On l'a déjà. Karatrok. 5, je crois que je l'ai. Ah non. Merci. Ouais, ça va aller. C'est très long. Très très long. 149, le Scalprobe. Non, celui-là, on l'a pas. Ah, mais déjà... Trois belles cartes hein, ce soir. Trois belles cartes. 64, Magneton, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Ou... Bah, je l'avais en reverse. C'est quand qu'on fait les fables de Sea of Thieves Sachant que je peux moins stream en ce moment. On va essayer de voir, celle-là je l'ai. Hop. Jolie fleur, on l'a eu. On l'a eu il n'y a pas longtemps. La 3, voilà. Siège de la Ligue Pokémon, on l'a eu. La 192. Attends, mais j'ai un doute sur le... Non, c'était une normale. Un Sapero.
Sapporo Reverse. Essaye de faire le point sur la caméra, c'est pas ouf. 175. Hop là. Oh, une carte or. Cruancia. Je suis ému. 229. En fait, je viens de regarder. J'ai mis aucune inédite ici. Et Darkrai qu'on a eu tout à l'heure déjà. Alors attends. Putain. J'ai mélangé les inédites sur ce truc là. Et personne me l'a dit. Personne me l'a dit, putain, c'est lesquels que j'ai pas. Donc Sapporo, c'est sûr. Ça. J'ai un doute sur le magnéton. Ça, c'était nouveau. Et je crois qu'en fait, toutes celles-là, elles étaient nouvelles. Ça se revérifiera, au pire. Hey, deuxième carte or hein, ce soir. Ouais, Guiche, il arrive. J'ai une carte or. Guiche, faut que tu reviennes plus souvent. Tac. Bon, alors sur les cartes sympas, alors on a eu quoi sur ce set là? Donc on a eu le Cruancia en or, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a eu? Le Mélo. Quoi, je vais mettre comme ça, hop. Le Mélo. Il y en a un qui s'appelle quand même Golet. Le bec à glaçon. On a été plutôt bien servi sur ce set, hein. On a été plutôt bien servi sur ce set. Donc le bec à glaçon, hein, qui est une, la forme Terra Crystal de bec à glaçon. Le Mélo. Et le Cruancia Or. Donc vraiment... Hop là. On a bien été servi ce soir sur ça. Bon, il est 23h06. On continue. Il nous reste deux packs. Il nous reste donc le coffret dresseur d'élite.
qui n'a même pas été ouvert. Da, 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 da. D'ailleurs, la boîte 151, je la trouve très jolie. Hein. Je vais ranger l'autre boîte. Alors, ouais, c'est ça. Hop, tac, tac. Piri, pi, pi, pi. Ah, allez. Ah, je l'ai mis à l'envers. Tiri, tiri, tiri. Comme d'hab, on a. Je voulais ranger pour les monter à l'envers en fait. Les séparateurs. Les cartes énergie. Les boosters, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9. Et les dés et les jetons. La boîte vraiment de la collection 151, je la trouve très jolie. Hein. Elle est sobre. Allez, on commence par trier les cartes énergie. Énergie. Alors, donc ça c'est en bas. Vert, hop, hop. Hop, 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 hop. T'as jamais une qui suit, c'est dingue. Là, il y en a une qui s'est suivie. Allez, on les range dans la boîte à énergie. Énergie. Je refais la vanne. Parce que je me répète. J'aime trop ça, je suis sénile. Voilà. Il n'y avait pas une autre énergie, genre type fée, il me semble. Alors, la carte de ce booster. La ronflex. La carte promo exclusive à ce booster. À ce coffret, je veux dire. Vas-y, fais le point, s'il te plaît. Voilà.
Et donc, on va aller chercher SBP 51. Promo et karaté violette. Ah, il y en a qui n'ont pas encore été dévoilés. Je crois que je l'ai vu, le pack Elector. Mais il est devenu tellement cher. Oui, de la sliver. Allez, c'est parti. On ouvre notre premier pack 151. Alors là, ça va être de l'inédit. Ça va être de l'inédit. Hop. Mais c'est Asmodée qui a voulu ça, qu'il n'y ait pas de booster, ou c'est... Ou c'est vraiment mondial, comme quoi il n'y a rien sur celle-là, parce que c'est une collection, c'est une collection alternative. Alors, le Fossil Dome. Ah, mais en plus, elles ont leur... D'accord. Oh, trop bien. Alors, le Fossil Dome. Aspico, elles sont dans l'ordre. Elles sont dans l'ordre. Aspico. Tac. Nosferapti, 41. Poissirène, 118. Elles sont dans l'ordre du Pokédex. La pince attrapeuse, 162. Krabos, 99. Les stickers énergie, 159. Machoc Reverse, 66. Kikli Reverse, 106. Et enfin, on a Electrode, la 101ème. Hop, allez, c'est bon ça, que de l'inédit. Lol. C'est mon premier booster sur cette collection. Claque. Allez, deuxième booster. Un...
Je n'arrive pas à la voir. Voilà, c'est bon. Alors, Otaria. Ça commence vraiment à être de plus en plus flou. Merci les médocs. Doduo 84. Hop. Tentacool. Avec sa nouvelle espèce. Tiracool. Ratata. Qui se prend pour Simba. Machopper. Machopper d'ailleurs. 67. Lamantine. On l'a pas eu tout à l'heure ? Non, c'est Otaria. Taignon. 107. Grotanmorph 89. Grotanmorph qui est en reverse d'ailleurs. Hop. Le transfert de Léo 156 en reverse. Hop là. Et Dardarnion, la numéro 15. Là du coup les rares bon là c'est une rare pas ouf mais elles sont un peu mélangées là. Là. Or et holo. Mais attends, Ish vient de me dire fermeture du cinéma, mais il devait pas partir. Je viens de tilter. Nous dira s'il revient, ouais. Donc pour l'instant, 100% hein, sur... Hop. Booster suivant. Les coffrets, c'est 50 balles, je crois. Il y a 9 paquets de cartes. Donc, il y a une dizaine de cartes. Il y a 10 cartes par paquet. Donc, 90 plus une. Toutes les cartes énergie. Je crois qu'il y a une trentaine de cartes énergie. Allez, Boostiflore. Mais il y a un paquet. Après, il y a des coffrets. Il y a des coffrets spéciaux que j'ai montré tout à l'heure en début de live. Un qui coûtait trop cher. Un officiel en plus. Hein, mais vraiment, il coûtait genre 60 balles. Je crois que j'avais plus de la moitié. J'avais déjà plus de la moitié des cartes promo. Je vais dedans. Boostiflore. Hop. Fantominus. Fantominus est dans les 90, je crois, de mémoire. Voilà. Passe. Il est plus haut. 46. Voltorb. 100.
Rhinophéros 112. Noix de coco, très jolie la l'art. 103. Le bandeau rigide, 165 sur 165. C'est la dernière de la collection en non caché. Tentacool, on l'a eu tout à l'heure. 72. Je vérifie, mais on l'a eu tout à l'heure. Ouais, donc... Ah, attention! C'est une reverse! Donc, nouvelle... Cafabec 21 en reverse. Vous voyez la fatigue, ce que ça me fait faire. Je vérifie même pas. Et la carte rare. Monsieur Mime 122. Hop. On a encore un 100% de neuf. En général, quand le coffret dresseur d'élite, c'est le premier que tu prends de chaque collection. Bon là, il s'est avéré que j'avais déjà eu en fait des boosters flamme obsidienne, donc ce qui fait que j'ai eu quelques doubles sur le précédent. Allez, booster suivant. D'ailleurs, c'est que des... Il y a un seul paquet hein, sur le booster 151. Il y a un seul paquet. D'habitude, il y a toujours des variantes. Allez, Carapuce. Carapuce. Un excellent... C'est dans les 100. Il est là. Un Mimitos 48. Un Roucoul. C'est dans les premiers. 16. Un Poisson-Roi. 119. Un Papillusion, pareil dans les premiers. Un Ratatac, pas très loin. Une pince à tapeuse. Shiny, et je veux dire reverse. Donc 162. J'ai eu la normale tout à l'heure. Hop. Un Ocelet. Reverse 104. Voilà. Et un Florizarre X. Une carte cachée. Elle est très jolie, hein. Hop, double étoile, pas la plus rare. 182. Il y a des cartes or? Oui, il y a des cartes or. Il y a un Mew d'or. Hop, et une énergie de base.
Attends. SVEFR, SVE. 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 C'est quoi les SVE? Parce qu'elle brille, hein, celle-là. Très jolie, hein, d'ailleurs. Je la vois nulle part, hein, dans la... Je vais la mettre dans la collection du coup. Hein. C'est basique énergie. C'est le set d'énergie, d'accord. Mais c'est une brillante que j'ai. Je savais même pas qu'il pouvait y avoir des holos. Des cosmos. D'accord. C'est des cosmos et... uniquement dans le pack... uniquement dans le pack 151. D'accord. Elle est très jolie. Et il y a... Attends, tac. Il y a un set... un set énergie là-dedans ? Dans divers, tu as les énergies. Ok. Donc c'est celle-là et c'était la feu. Ah, je peux... mais les cosmos, je peux pas les... Bon, c'est dommage. Collection. Cosmo ajouté. Voilà. C'est mieux. C'est nul. Ils te mettent toutes les trucs. C'est no sound, ok. Pour ça. Hop. Il va falloir que je vérifie parce que je crois que j'en ai des d'autres. Ah
Ok, pack suivant. Ah. Alors, un Krabby. 98. Hop. Un Salbelette. 27. Sabelette. Blague du collège qui remonte Salbelette et Salblaireau. 90. Otaria, ça, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Otaria, c'est le premier double. Doduo. 84. Deuxième double, Gravalanche, 75. Une neuve. Les lunettes de protection, 164. Arcanin. Ouais. C'est marrant parce que dans la série animée, Arcanin, il est considéré comme légendaire dès le, premier dès le deuxième épisode. Alors que pas du tout. Un Sabelette Reverse. Un Léviator Reverse. J'aime bien quand j'ai la carte en normal et en reverse. Et enfin. Voltali 135. En holo. Bon, ça y est, on a eu nos premiers doubles sur cette collection. Hop. Non, j'ai pas déjà 200, près de 200 cartes nouvelles, hein. On dira, ça va très vite. Hein. Alors, prise acier. Je ne le vois pas parce qu'il est ici. Un petit tard. Un ponita. Un Pikachu. Je suis content, j'ai eu mon Pikachu. Invitation d'Erika, 160. Magneton 82. Le singe 57. Un gros ballon en reverse 155. Voilà. Voilà.
J'y crois pas. Et un gros lem ex 76. Je suis hyper chanceux hein, sur ce soir. Non, vraiment, hein. Vraiment. Là, ce soir, je m'estime très chanceux. Ah. Faut que je prenne un dernier pack de Steve. On est à 200 cartes. Hop. Et hop. J'en reviens pas de l'avoir eu. Hop. Allez, un tentacool. On l'a eu tout à l'heure, ouais. Un ratata, on l'a eu. Le carapuce, on l'a eu aussi. Excellent, on l'a eu, je crois. Ouais. Tentacruel, on l'a pas eu. Ronflex, 143. Ta-ta-ta-ta. Sablero normal. Oula. Persian reverse. 53. Matchhopper en full art 177. Putain, j'ai mis encore aucune. Donc 177 et ectoplasma 94. Voilà. Tac. In. Oh, encore une Cosmo. Allez. On va aller la chercher. Cosmo. Alors, la Cosmo. Hop là. Donc ça, c'est celle qui est inédite.
Encore un bon tirage. Vraiment, ce soir, je crois que... Oh, j'ai eu un bon tirage, vraiment. Alors, le pack suivant. Et quelle heure? 23h42. Putain, mais... reste encore un... Il me reste encore un coffret encore après ouvrir, c'est le coffret classeur. Alors, le canard tichot. Alors, 151. Ken Artichaut qui est le numéro 83. Coquillasse. 90. Le fossile nautile. 153. J'ai les deux fossiles du coup. Après, il me manquera le vieil ambre. 79, le ramolos. Un gros ballon, on l'a. Mais est-ce que on l'a? Ouais. Oh! Un tentacule cruel qui était à l'envers. Et on l'a déjà. Vérifie, hein, ouais, mais... Ouais, le tentacule cruel qui était à l'envers. Regarde vite fait. Ouais. Non, non, il a été placé à l'envers dans le paquet. Le Krabos 99. Je crois que je l'ai déjà. Ouais. Hippotrompe 116. C'est une nouvelle. Hippocéan en reverse. Mais attends, en fait, l'hippotrempe, c'est une reverse. Voilà. Et le smogogo en normal. Et enfin le dernier booster de ce coffret avant de passer au dernier coffret. Hop, un Mimitos, je crois qu'on l'a déjà eu. 48. Ouais. Le Roucoul, on l'a déjà eu. Le Crisacier, il est juste au-dessus. On l'a déjà eu. Le Ponyta, on l'a déjà eu. Nidorino, 33.
C'est un nouveau. Un Aquaquack 55. C'est un nouveau. Scarabrut 127. Tac. Un Nidorino en reverse holo. 33. C'est agréable. Putain, j'ai encore. Voilà. Tac. Le Fantominus en reverse. C'est une nouvelle, celle-là. 92. Et un Staros. Je ne l'ai pas, c'est sûr. Hop. Hop. Bon allez. Il est 23h48. Hop. Le dernier paquet qui est le paquet avec le classeur. Celui-là, j'ai énormément hésité à l'acheter. Parce que le classeur, je m'en foutais. Mais en fait, comme je trouvais pas de booster en plus, du coup, je l'ai acheté. Bon, c'est un classeur somme toute classique. On a combien de pages? Attends. Que je sache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 fois 9, parce que je compte les reverse. Ça fait 180. Ouais, ça devrait le faire. Hop. Le 151 aura son propre classeur, du coup. Hop. Allez. Les 4 derniers boosters. Un Meloufé. 35. Hop. Un Machoc, on l'a le Machoc. Hein. 66. Ouais. Un Porygon. Celui-là, on l'a pas. 117. 137 même. Electek 125. J'ai failli cocher. Gros tas de morve. Je crois qu'on l'a. Ouais. Aide de Nina. 158. C'est une nouvelle. Aéromite 49. Hop. Colossinge reverse 57. C'est une nouvelle. Un Pikachu alternatif 173. Très joli là. Alors, je regarde pas ce qu'il y a en dessous, mais
très joli, là. Là. Et enfin, un métamorphe. 132. Tac. Et une énergie cosmos. Tac. Vraiment, là. Trois énergies cosmos, hein. Elles sont pas si rares que ça, mais... Mais que même... Hop là. Hop là. Allez. Hop. On commence par un Nidoran malin. 32. Tac. Un Abra. 63. Un Tobiker. 50. Un soporifique. 96. Un spectrum. 93. La famille spectre. Kikli. Je l'ai déjà. Mais c'est une nouvelle parce que c'était une normale. Carabaf. Spectrum en reverse. Voilà. Krabi en reverse. Une Draco feu. Allez, bim. Une énergie de base. Une énergie de base. Cosmo. Voilà. Hop. Cosmo. Holo. Booster. Hop là. Voilà. Voilà. Après, elle est pas rare, hein. On va regarder. Je pense que elle doit valoir 5€, tu vois. Là, je me dis déjà, les trucs sont remboursés. Je pense que les packs sont remboursés. Du
Donc je les remets à l'envers. L'avant-dernier pack de la soirée. Alors, le rhinocorne. Oups, pas la bonne. Pas déjà eu. Non, on l'a pas déjà eu, c'était Rhino. Rhino féroce qu'on a eu tout à l'heure. Sac de nœuds, ça c'est sûr, on l'a pas. Hop. Smogo, on l'a. Ah, ah non. Chico Quack. 54. Un galopa. 74. Non. 78. Hop. Un Nidorina. 30. Un Ratatak. 20. J'avais déjà. Un gros tas de morts en reverse. En fait, tout à l'heure, je l'avais pas celui-là. C'était le reverse que j'avais. Putain, il va falloir que je revérifie tout ce que j'ai. Hop. Là. Donc lui, je l'ai. Un ratata en reverse. Un électrode, ça je l'ai, je crois, de mémoire. Ouais. Et une énergie, somme toute classique. Faudrait que tu me montes sur Discord, t'es 851, j'ai pas tout vu, je pense. Ah. T'es en... Attends, c'est... il me reste un paquet, je te montre. Je te montre les hits. Il me reste un paquet si t'as un peu de temps. Mais je pense que j'ai eu une chance insolente ce soir. Donc le dernier paquet, et je te montre juste après. Alors, Rondoudou. Bah attends, tu sais quoi, je vais même... Alors 39, est-ce que je te le montre directement Donc 39, on a Rondoudou qui est nouvelle. Je crois qu'on l'a pas. Ok. Salamèche. J'aurais pas eu Bulle Bizarre. Cafabec, je l'ai. Ah non. C'est une nouvelle. Ammonita 136. 38 même. Tauros 128. Kadabra 64. Magikarp en reverse 129.
Dardarnian en reverse. 115. 115. Non, c'est pas 115, c'est 15. Tac. Et Dardarnian normal que j'ai déjà. Hop. Tu sais quoi? On va les classer. T'avais encore un peu de temps? Ou pas? On va les classer par... Ah, je peux pas... Putain, je peux pas les classer par type. Cette collection-là, elle est que par numéro. Bon, alors. Hop. Bon, alors, on va rester sur du classique. Bon, la promo, hein, qui est pas non plus de ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a? En train de chercher hein, ce que j'ai. Ok. Il y a celle-là en plus. Il y a la Cosmo. Je la mets de côté, celle-là. On a eu la Match Chopper. On a eu la Cosmo. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à temps? Hop. Je m'en rappelle plus qu'on l'avait eu dans cet ordre. On a la Pikachu. On a eu encore une Cosmo. Oups. On a eu ceci. Ah, attends. Hop. Je vais mettre là. Bon, ça, c'est une promo. Tac. On a eu ceci. Ah, très bien. La musique s'est arrêtée pile au bon moment.
On a eu 4 Cosmos, en vrai. Voilà. C'est bon, de toute façon. On va toujours les lives pour retrouver dans quel ordre je les ai eus. Au crypto, t'es dans le coin ou pas? Est-ce que t'es dans le coin? Donc on a eu les cosmos. Voilà. Voilà ce qu'on a eu. En feature sympa. Hop. Voilà ce qu'on a eu. Tac. Une or et la cosmo. Ouais, je pense que sur celle-là, ça a été insolente. Hein. C'était une chance insolente. Mais ouais, je suis plutôt fier de cette récolte. Ouais, beaucoup. On a eu combien? 2 dorés ce soir? 2 ou 3, je sais plus. Et tout le reste en. Des petites alternatives. Bon, j'espère que cette chasse aux cartes Pokémon vous a plu. Je sais pas si je remettrai. Je vais mettre le replay assez rapidement, je pense, sur YouTube. On va voir. Et peut-être les bonnes récoltes, je vais les mettre en short ou en TikTok, je sais pas. Je vais voir. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, je vais couper directement. Ah, bye bye. Et bonne nuit.